Entre le 11e et le 13e siècle, il existe une révolution des techniques qui, en général, est très peu connue. Une révolution qui s'inscrit dans le paysage de l'Occident médiéval. On voit les moulins à foulon, on voit une nouvelle utilisation de l'énergie, on voit de nouvelles façons de tisser, de tanner. Ce sont en général les moines défricheurs qui utilisent ces techniques, mais évidemment, cette révolution technique va avoir une influence sur l'ensemble de l'organisation sociale et économique de la société, et en particulier les bourgeoisies des villes. Mais ce n'est pas encore le moment d'un changement, d'un basculement entre le féodalisme et ce que l'on appelle le capitalisme. Il faut dire évidemment que par Moyen Âge, on entend une période qui est très vaste, un millier d'années, et que donc pendant ce millier d'années, il se passe des choses tout à fait diverses et qui vont bouleverser l'ensemble du monde. Alors, les figures du capitalisme qui naît au Moyen Âge, ce sont les banquiers, ce sont les marchands, et pour ce qui est des banquiers, on pourrait même dire très souvent les usuriers, et ce, en contradiction avec les préceptes de l'Église qui interdisent le commerce de l'argent. Et ces figures-là, on va les trouver, par exemple, dans l'Italie du Moyen Âge. Les grandes cités marchandes sont le lieu où ces personnages apparaissent comme étant tout à fait essentiels. Les figures les plus importantes, c'est par exemple les Médicis, mais on pourrait citer d'autres familles et d'autres lieux. Et ces différents personnages vont créer les outils qui sont nécessaires au capitalisme, parce que c'est à ce moment-là que le grand commerce international est en train de se développer. Non, et là, l'auteur Jacques Herz n'est pas du tout dans l'anachronisme, au contraire. Alors, évidemment, habituellement, on attribue la naissance du capitalisme à l'Angleterre et à l'Angleterre du 19e siècle, mais en réalité, c'est un mouvement qui commence dès le 17e siècle. Mais en réalité, ce mouvement a commencé, comme je le disais tout à l'heure, au Moyen Âge en Italie, puis il suit par l'Allemagne, par la Ligue hanséatique, et ce sont des périodes et des lieux où on se dote déjà des principaux instruments du capitalisme. On invente le crédit, on invente les sociétés en participation, on invente le chèque d'une certaine manière, et on va permettre, on invente les assurances, on va permettre comme ça de mettre sur pied les premiers éléments qui sont constitutifs de l'accumulation du capital et de l'utilisation du capital pour changer la société.